Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais je vous laisse découvrir par vous-même. Merci Jésus, voyez. Nous y voyons à nouveau clair. Et le soleil est revenu en pleine clarté. Et voilà. Merci Jésus, nous avons une belle démonstration qu'il faut bien rester fixé sur toi Jésus qui est la lumière. J'espère que à travers ces beaux événements là qui viennent de se passer entre la première vidéo et celle-là, eh bien cela peut-être vous permettra d'espérer, de garder l'espérance que Jésus va dissiper les ténèbres. Son Père, l'Esprit Saint, exactement comment ça va se passer, nous ne le savons pas. Ça, personne ne le sait, seul Dieu le Père le sait. Donc, soyons simplement à notre place, dans la confiance, la foi, dire confiance. Donc soyons dans la foi, catholique, apostolique, simplement. Donc voilà, prions. Il faut savoir chanter dans la tempête. Et dans ces moments de tempête, nous pouvons chanter et glorifier Jésus. Dieu, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, dans l'immense cortège de tous les saints, avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, dans l'immense cortège de tous les saints, pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi, et pour l'amour de Notre-Dame, notre mère au pied de la croix. Dieu, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, dans l'immense cortège de tous les saints. Voilà les amis, voyez, Jésus est la lumière, c'est
L'essentiel à garder au cœur, que Jésus est la lumière. Merci Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, et tu es venu rendre témoignage à la vérité que tu es avec ton Père et l'Esprit Saint. Et nous sommes dans l'action de grâce.